Bonjour à tous. C'est les Jujuins Brass en compagnie de Nexus One 13. Bonjour à tous. Voilà. Petite vidéo de I Am Bread. Qu'est-ce que c'est I Am Bread? Alors, I Am Bread, c'est un jeu de Bossa Studio. Allez-y, monsieur Juju Bros. Exactement, un jeu de Bossa Studio sorti le 9 avril 2015. C'est quoi comme genre du jeu? C'était un jeu où en fait, on contrôle un pain. Voilà. On contrôle un pain. On pourrait traduire littéralement I Am Bread par je suis un pain. Et le pain, quand tu le manges, c'est bon. Et le pain, c'est bon. Et même ce pain, c'est un pain de campagne. Allez, on va commencer, donc on va faire un story mode Vince Brown. Nous allons commencer un story mode On peut voir que le jeu est très complet parce qu'il y a plusieurs modes, comme un mode histoire, un mode chrono et un mode libre. Oui, donc, c'est très libre, amusant. Donc nous sommes au premier niveau, la cuisine, et vous pouvez voir que Vince Bros contrôle une tranche de pain. Alors comment tu contrôles cette tranche de pain? On contrôle la tranche de pain grâce aux gâchettes de la monnaie qui nous permettent de contrôler différents points du pi qui nous permet de s'accrocher. Une technique chinoise, le basculade de la chaise. Et vous voyez, messieurs, que en haut il y a le grip, donc la barre d'accrochage. Mais qu'est-ce que le grip? C'est la barre d'accrochage. Il faudrait peut-être écouter ce que je dis, car je viens de le dire. Ah, c'est quoi la barre d'accrochage? Mais je viens de le dire deux fois. C'est quoi la barre d'accrochage? Ça sert, je vous l'ai dit, je vous le redirai. Ça sert à s'accrocher. Quand tu t'accroches, la barre elle diminue. Exactement. Mais c'est quoi l'objectif de cette tranche de pain? L'objectif de cette tranche de pain est comme pour Indiana Jones avec la quête du Graal, c'est de trouver le grippin et de se faire griller la tartine. Ah, c'est forcément le grippin, d'accord. D'accord. Et j'ai une question, hein. Pourquoi avoir utilisé la chaise qu'on peut tout simplement aller par terre? Alors, le sol, étant donné qu'il est poussiéreux, diminue notre santé qui, pour le moment, est à 100%, car je suis... Qu'est-ce qui se passe? On a un pouvoir, un exemple. L'exemple de l'édibilité qui a baissé. Oui, nous pouvons aussi passer par le haut pour faire un truc beau gosse. Tu peux aller nager là? Non, parce qu'on se fait mouiller et les tartines, on les mange pas mouillées. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. T'as le pain, c'est bon. Et pain mouillé, c'est dégueulasse. Je ferais pas 10 mieux. Oh, pauvre tartine. Vous inquiétez pas. C'est une sorte de noyau d'olive. Un noyau d'olive. C'est une sorte de tartine. Attention. Spider-Man, c'est beau. C'est une tartine génétiquement modifiée. Exactement, Jérôme. Mais dites-moi, est-ce qu'un d'entre vous connaît un peu l'histoire de ce jeu? Non. Car il n'y a pas d'histoire en fait. J'ai essayé un peu renseigné. Et en fait, l'histoire, c'est une personne normale. Hein, donc vous, moi. Hein, et il est dans sa maison. Et il voit des trucs pas normaux qui se passent. Et un jour, il rentre chez lui. Il voit que la cuisine est en n'importe quoi. Est en why. Le why, c'est quand c'est pas bien, c'est le bordel. Voilà. Et en fait, il se demande s'il est pas en train de devenir fou. Donc il va voir un psy et tout. Et en fait, la personne responsable de ça, mais en fait, c'est cette petite tartine de pain qui fout le bordel. Regardez, ça, c'est notre magnifique petit toaster. Le grippé, exactement. Il faut que je me fasse griller la tartinette. De face. Oui, non, verticalement. Oula. Alors, du coup, nous allons utiliser une petite technique asiatique. Bravo. Alors, peut-être c'est quoi le pourcentage? Superbe. Combien de temps?
3 minutes. De 3 et bah, A. Bravo. T'as 3 A, c'est bien. C'est pas mon meilleur record. Mon meilleur record, c'est 3 minutes tout pile. Hein, 100% de santé. Déjoué. On peut passer au niveau suivant. Alors là, pour info, c'était Vince Bros contrôler la partie. Et là, c'est moi. Jujuos qui prend les commandes. Et à la dernière partie, ce sera Nexus 13 parce qu'il faut bien le faire travailler. Là, moi, j'ai un problème de coordination, on va dire. Je vais vous laisser les commandes. Alors. Ah voilà, là par exemple, ça c'est la petite histoire, hein, parce qu'en fait, c'est le thérapie barn, donc c'est parce que le mec prend une thérapie, un psy, voilà, parce qu'il croit être fou, il croit être fou, car il voit des esprits. Ah, c'est pas un français, par contre. Ouais. C'est en anglais, hein, mais bon. C'est pas très difficile à comprendre. Si les Français faisaient beaucoup de jeux, ça se saurait quand même. On est dans la salle à manger, et alors il faut... Alors là, il n'y a plus de grille-pain, parce que c'est vrai que ça serait bizarre d'avoir un grille-pain dans une salle à manger. Comment tu vas griller s'il n'y a pas de grille-pain? Eh bien, en fait, il faut... Oula, vous voyez, attention. Oula, tu m'étonnes après. Voilà, là... Va voir le fromage. Là, c'est le why, hein, voilà. Voilà, tu as déjà cassé sa tasse fétiche. Alors, il faut trouver en fait une source de chaleur qui serait capable de nous griller. Dorer les faces. Dorer la face. Donc là, par exemple, pour la lumière. Mais à savoir qu'il n'y a pas qu'une seule solution à chaque niveau. Il y a plusieurs solutions. Toujours aussi rigolote. Car c'est aussi un jeu de stratégie. Exactement. Bon, il faut de pas être les au con quand même le mec avant de rentrer chez lui. C'est un peu la merde. Ouais, il y aura pas une heure. On dirait un dollar ici. Mais putain, en plus, petit chaussons. On dirait un dollar. Petite pantouflette. Ah, bien joué. Voilà. Là, tu as évité le sol. Exactement. C'est un sol dangereux parce que tu peux mourir. Exactement. Bon, tu peux mourir à cause du sol qui est un peu sale, on l'a vu, il est tout sale. Oui, exactement, Jérôme et Gérard. Il est très très sale. Alors, est-ce que tu as à cause de ce mec de qui s'essuie pas les pieds avant de rentrer. Tu as une idée? Ah, tout à fait, mais c'est des déménageurs. De toute façon, si les gens étaient respectueux, ça sourit. Alors là, l'idée, je n'ai aucune idée. Je vais essayer de trouver un endroit où je pourrais me faire, mais comme tu as très bien dit, griller les faces. Alors oui, dorer les faces, pardon. Alors là, c'est la montée verticale, une technique américaine. De l'Empire State Building. Hein, tous les grands joueurs de Braid. Tous les grands joueurs d'IAM Braid. Il faut faire attention se servent de si cette technique. Oulala. Par exemple, dans quelque chose, on peut se prendre des morceaux. En faisant une petite partie tout seul, je me suis pris un œuf et l'œuf était resté collé sur ma tartine. Ah, et c'est presque que tu fais du pain perdu. Il est totalement perdu. Il est complètement paumé. Mais heureusement, ce pain n'est pas à la campagne, donc ce n'est pas un pain de perdu de campagne. C'est un pain de ville. Pain de ville, exactement. Pain de campagne, pain de ville. Oulala, alors c'est très... Vous voyez que je n'ai pas toute l'expertise de Vince Bros. Hein. Nous pouvons voir que ce propriétaire aime les chaussures Sarenza avec ses petits cartons. Voilà, on peut voir toute une technique. Il fait beaucoup de commandes d'Amazon, Sarenza... Oui, il fait beaucoup de commandes. On fait de la pub, voilà, on fait de la pub non rémunérée. Il faut nous donner un petit peu d'argent quand même. Bien c'est besoin de nous. C'est bien pour le développement durable. Oui, on se fait un peu de thune. Alors vous pouvez voir que je ne parle pas beaucoup, voilà, je suis concentré. Exactement. Alors là, on va essayer d'atteindre cette étagère. On va essayer. Moi-même réussi à grimper sur cette étagère. C'est précieux. Ça m'a l'air assez précieux. Oulala, là, 5 euros la farfouille. Ah bon, t'es pas trop précieux. Je vais essayer de bien m'aligner. Hein. La position horizontale, verticale, très important. Très important. Alors très facile à faire. Attention. Attention. Tu veux faire le Spider-Man. Spider-Man. Ah, j'y arrive pas trop, le Spider-Man. On va régner le Spider-Man. Alors il faut savoir. Michael Jackson. Attention le grip. On peut voir que ce joueur ne sait aucunement ce qu'il fait. Attention le grip, on ne perd pas le contrôle. Voilà. Alors là, on peut voir d'ailleurs le petit clin d'œil, la lampe de Pixar en rouge. Exactement. Et même il y avait un livre en bas qui s'appelle Charlomès. Charlomès. Ouais.
Mais qui est ce Charles Holmes? Bah, c'est justement un easter egg, si je puis dire, à Sherlock Holmes. Ah, et c'est Charles Holmes. Oui, une chose comme ça, je ne m'en rappelle plus bizarre, très bien, mais c'est quelque chose comme ça, comme cela. Il y a des disques d'or, le mec. Non, c'est des disques normaux. Normaux, quand même. Des disques normaux, ne vous faites pas plus bête que vous de l'êtes. Ça va être tout dur. Alors là, on peut voir. Alors, on peut voir que la caméra est quand même très très bien gérée, hein. Voilà, oui, on peut voir que il n'y a aucun bug graphique. On dirait qu'on est dans les années 90 où c'est le début de la 3D. Bon, quand même pas le. Non, mais la physique, quand même, il faut le dire, la physique oui, de ce le jeu. Le moteur physique est juste incroyable. Moi, exactement. Moi, je dis, le jeu est original. Ouais, exactement. En plus de cette petite ambiance cartoonesque qu'on peut ressentir. Et boum, le grand plongeon. Putain, le saut. En fait, il n'y avait pas de saut. Oh, le saut. Ouais, on en profite, on la casse. Parce que toutes les places. Vous voyez, il y a plein de petits livres là. Crime and Bushman. Ouais. Crime et. Et Bushman. Ah, une VHS. Il y a une autre encyclopédie. Benzaï. Predator. Bon, ça, Predator. Ouais. Il fallait y penser. Hein. Predator. Ça doit sûrement être une référence cachée à Terminator. D'ailleurs, The Hound of the Beckville. Ah, mais tiens, c'est pas le chien de Baskerville. Mais voilà. Deuxième référence, c'est Sherlock Holmes. Ah. À la colonne. Il veut aller où? Ouais, il voulait aller où? Voilà, alors là on peut voir que je tombe sur l'étagère. Je ne sais pas du tout où je vais, mais on peut voir, à savoir que les parcours ne sont pas du tout écrits à l'avance. On peut passer absolument n'importe où et hop là, la petite bougie, elle tombe, la bougie parfumée. Derrière vous, monsieur Nexus One 13. Oh là là. Oh, mais un petit rookie! Attention, et hop là on fait tomber la pente. N'oubliez pas qu'avec les touches vous pouvez accrocher les objets. Exactement, avec les touches, les quatre touches. Les quatre touches carré, X, O, Y, triangle. Ou les touches A, X, Y, B, si vous êtes sur Xbox. Il est bon de préciser qu'on peut jouer avec une manette PS4 ou PS3. On peut jouer aussi avec une manette Xbox 360. Configuration, possible, oui. Dans le menu des options, nous pouvons choisir le mode de manette. De manette. Par exemple, avoir les écritures Sony. De PS4, alors même que nous avons Sony, une manette. Sony. Oui, de Sony. Alors que même nous sommes sur une manette de Xbox. Ouais. Donc, boum ouais. Casse-le lui. Accrochez-le avec les touches. Là j'ai pas moyen de l'accrocher. Ah ouais, on le voit, il y a petite truc qui s'allume. Alors essayez de vous accrocher à lui-même. Et hop là. Et voilà, oh là, la petite tartine. En fait, j'ai l'impression que ce jeu, c'est un peu le Toy Story de Tartine. Il y a un peu cette impression. Il y a un peu cette impression, hein. Il y a même dans des niveaux suivants un petit astronaute peint. Petit astronaute peint. Mais au niveau peinture, au niveau matière peint. Oui, donc ça fait référence à Buzz l'éclair, donc c'est Bread Story, exactement. Alors là, vous pouvez voir que je fais un strike parce que c'est comme tomber un brainstorming, mais en voilà. Et je vais même essayer de faire tomber cette boule de voilà, boule à ça. Attention quand même. Allez la boule. Allez la boule. Allez la boule. Allez la boule. Oh putain, y'a le feu. Y'a le feu. Oh, est-ce que attendez. Oh mais ça fait du la chaleur là. Attendez, on va essayer de tomber là. Boum. Oh c'est magique. C'est magique. Putain, tu grilles. Notre tartine est grille. Mais n'oublie pas, tu dois te retourner pour l'autre deuxième côté. Il faut que. Oh pas la retourne-toi. Vite retournez-vous. Voilà. Alors, à savoir qu'pour finir le niveau, il faut appuyer sur les deux sticks directionnels en même temps. Alors, vous pouvez voir. Et... Ah, super. Voilà. Tu as pas fait aussi bien, mais c'est déjà pas mal. Maintenant, c'est au tour de Nexus 73. Non, moi je peux pas jouer. Bon, je vais essayer de faire le deuxième. Non, 8 minutes, 32. Ça ferait beaucoup, ça fait le marathon du jeu vidéo. Ah, oui. Ah, en fait, elle transpire, ça me rate, je la laisse. Ah, voilà, là, on a monté le jeu. Je pense que. Je pense qu'on a fait un bon petit tour de I Am Bread. On a vu les deux côtés de la tartine, si je peux le dire. Les deux faces de la tartine.
Dodo, exact. La Strange aussi. Comme vous pouvez voir, peut-être que vous pouvez voir qu'il n'y a pas que cette possibilité pour finir le niveau. On peut se servir de la télé pour finir le niveau en faisant tomber la boule de bowling, mais on pouvait sûrement aussi aller voir la lumière qu'on avait vue au début. La lampe Pixar. La petite lampe Pixar qu'on avait vue, ou même la lampe sur pied qui était à côté de la porte. Lampadaire. Lampadaire. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Avec le lampe papier. Du petit papier. Le petit papier. Il y avait aussi chauffage. Exact, le chauffage aussi, on aurait pu se servir. Comme quoi. Pour rentrer dedans, pour se laisser tartiner. Exactement. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un bon petit tour. Est-ce qu'on continue ou on arrête là? Moi je pense que c'est bon. Hein. Je pense faire un dernier petit niveau pour voir un peu plus de diversité dans les décors. Je repasse la manette à Vince Bros. On passe au jour suivant. Next day, donc jour suivant. On fait le niveau 3 et ce sera le dernier niveau. Et bien je reprends. C'est Vince Bros, laisse la place à Julien. Désolé, mais... voilà, j'ai pas trop envie. Hein. Ah, la bedroom. Alors, la bedroom. Qu'est-ce que c'est la bedroom? Bedroom, c'est. La room de bed. Oh, je pense que c'est la chambre. Exactement. Alors, vous pouvez voir. Le mot d'anglais me permet de dire. C'est la chambre. Alors. On peut voir que vous avez fait une fac d'anglais, vous. Hop là, le petit cadre qui tombe. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. T'as qu'à faire, on casse tout. Hein, exactement. Le mec est champagne. Il laisse ses chaussettes. Oh là, putain, mais c'est quoi ce mec hein? Et le mec n'empêche, il laisse une. Il fait son lit, oh. Il laisse une tranche de pain sur sa table de nuit quand même. Il est pas normal déjà, hein. Je veux pas dire. Ah, on peut voir n'empêche. Oh, pète ses sauts là. Vous inquiétez pas. Oh mon dieu. Oh là là, j'ai mal géré la technique. Ah ouais, non, hein. Là, il y a tout. Il aurait besoin d'une femme pour qu'elle range tout, hein. Peut-être célibataire. Exactement. Oui. Célibataire. Alors, j'ai utilisé la technique du grip tastique. Hein. C'est un grip fantastique, c'est le grip tastique. Super. Une technique coréenne. Je vais pas te piquer la tranche de pain sur le cactus. Oh, le cactus, il me fait. Cacotus. Le cactus me fait. T'as envie de le faire tomber, je le sais. C'est que t'as envie de le faire tomber. Bon. Tu te dis, bah non, je le laisse. Non, je vais pas le laisser quand même. Ça me rappelle ce qu'on fait en primaire avec les petits blés qu'on plante. Le muguet. Oui. Peut-être le blé. Le muguet. Oui, qu'on met dans du pollen, là, je sais pas quoi. C'est pas le muguet, non. Non, c'est pas. Oui, cette fameuse truc. N'hésitez pas à nous le dire, hein. Le blé, putain, oui, le blé. Le bread, il y aurait un rapport caché. Serait-ce un sorte de petit complot secret? C'est les bread du Milati. J'aime bien le déplacement latéral. Ouais, c'est assez complexe en plus. Parce que c'est les deux mêmes gâchettes du même côté. Là. C'est quand même un jeu pas destiné au grand public, hein, parce qu'il faut avoir une certaine maîtrise de la manette pour y arriver à contrôler. C'est complexe. On peut dire que c'est complexe. C'est complexe. Mais il y a d'autres jeux dans ce style quand même. Je pense par exemple à Monty Friends ou même à Octodad qui est aussi. Monty Friends. Monty Friends. Tu dois faire dans Monty Friends. En fait, tu dois monter sur ton partenaire. Tu dois lui grimper dessus. Mais c'est le système de déplacement, c'est un peu pareil. Le système de déplacement, en fait, avec tu peux contrôler les bras, les jambes avec les quatre boutons de la manette, ou par exemple les touches du clavier, et tu dois t'accrocher d'abord monter d'abord sur un âne, un goth. Une chèvre, exactement. Le simulateur, je vous conseille d'aller voir. Oui, exactement. Vidéo, et au-dessus de cette chèvre, il y a une petite ligne, et tu dois dépasser cette ligne pour sauvegarder. D'accord, peut-être qu'on pourrait faire un test sur ce jeu. Et lorsque tu as dépassé, c'est à l'autre de venir et de te grimper dessus pour dépasser la barre que tu as laissée. Si et Octodad, c'est un Octodad, c'est un jeu en 3D. C'est un jeu en 3D où nous contrôlons un papa pieuvre. Papa pieuvre. Papa pieuvre. Après le papa poule, il y a le papa pieuvre. Qui se balade dans des niveaux. En faisant quelques petites missions, donc c'est assez scénarisé. Ça se contrôle avec les différentes touches de la manette.
Pour que tu parles les tentacules. Exactement. Et donc c'est aussi animé par des petites quêtes comme repasser le gazon. Cueillir on repasse des le gazon, ah, c'est horrible. Ouais. Oui, tondre le gazon, ah, voilà. Le gazon, ouais, d'accord. Et animé par ces petites quêtes comme créer un burger aussi. D'accord. Ah, ça m'a donné bien. Peut-être un jeu à essayer également. Oui, un jeu à essayer également. Oh, alors là, il a été foutre son skate dans la roue. Ouais. Pas à côté du coin de compétition. Alors, je me demande comment il fait pour atteindre. Il y a quelque chose à faire. Ah, le. L'abat-jour. L'abat-jour, exactement. Il y a quelque chose à faire. Par contre, tu attention, tu as de la confiture sur toi. Tu t'es un peu confituré la face. Exact. Alors, à l'abat-jour, alors je pense qu'il y a moyen, mais c'est assez difficile. Donc je pense qu'en fait, mais on va aller voir. Quand même, ça, la lampe pulsar qu'on peut voir dans le coin là-bas. Ça fait quelque chose de, ça peut faire quelque chose d'assez joli parce que si tu te plantes, au moins il y a la planche qui sera là pour te tenir. Ouais, tu peux faire tomber la planche. Exact. Et il y a aussi un fer à repasser peut-être. Voilà. Attention le grip là, il va falloir aller vite. Hein. Oh mais mon personnage est bloqué. Là c'est la confiture. Oh là 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 là, vite. Ah. Ouais, y a le grip. Ah. Mon père. Allez putain ouais, arrête de faire les trucs sur les côtés là, fais le truc en avant là. Ouais comme ça allez, ah, ça va être ton part. Accroche-toi à la serrure et reste dessus. Attention, notre petit personnage commence à trembler. Ah ah, vite, il reprend de la vie là, et là tu montes à toute allure, mais fais-le. Allez vite. Hop, oh c'est mort. Ouh là là, ouh là là, il essaye de dépasser la mort. Mais... Je crois que c'est, pour cette partie c'est bon. Hein. Non, je pense que c'est foutu. Ah, hein, c'est moi. Foutu, bah, tant pis, vous découvrez par vous-même comment faire griller la tâche de pain sur le niveau numéro 3. Ouais, ah, exactement, le jour, hein, le jour au niveau 3, parce que c'est une telle ah, ah, c'est voilà, fini. Et là, c'est fini. Ah, et là, c'est là, fini, ah, ouais. Bon, mais on terminera sur une défaite. Voilà, te félicite pas, Juju Bros, là, tu as complètement planté le truc. Et t'as complètement chié dessus. Ouais, c'est désolé. On peut dire, là, tu as un peu paniqué, là, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Perte de contrôle total. Et après, on a oublié de faire un petit mot, les environnements sont très variés. Hein. Oui, et aussi la musique. La musique très agréable. Musique très agréable. Des plus grands concerts d'Europe. De Patrick Bruel. Ouais, de Michel Sardou. On l'a tapé chaté en tout cas. De Michel Sardou. Bah, bah, sur ce, on va dire au revoir peut-être. C'est une bonne vidéo, je trouve. Alors, ouais, oui, bon c'est... petit aperçu. Surtout le jeu est sympathique. Le jeu est assez addictif. Il est très addictif. Hein, addictif jeu. Jeu addictif. En plus, cet aspect, il y a quand même un aspect scoring. Oui, ce qui fait qu'on y revient souvent pour battre le record de l'autre. C'est vraiment pas mal. Donc vous pouvez voir que c'est la toast de qualité de Juju Bros est à 0. Ah bah, pas grillé. Ah, pas grillé, il peut pas être. Il pas grillé le pays. Comme le dit la phrase en haut, je crois. I'm not a toast. Juju Bros s'est fait griller. Ah là, tu t'es fait griller. Ah, tu t'es fait griller au dieu de Ah, elle a passé la partie. Ah, là. Le toast, non, mais toi, oui, putain. Ah, bon, allez, on va vous quitter, et puis surtout, on va leur dire. Au revoir. Petit spectateur. Eh ben, j'espère que vos vidéos vous aura plu quand même. Ouais, hein. Fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Pouce bleu, vert, comme ça, on aura le sourire. Pouce bleu, hein. Pouce bleu, ça change. Ouais. À partager, comme ça, vous ferez découvrir ce jeu magnifique à votre entourage. Et aussi, bien sûr, mais bon. À vous abonner à la chaîne et à vous inscrire sur le site pour ne rater aucune des prochaines vidéos et pour participer avec nous sur le forum. Oui, le forum. Et puis bientôt, les jeux en ligne, les trucs et à partir en ligne, tout ça, pendant les vacances. N'oubliez pas d'ailleurs le crew de GTA 5 créé. Donc, Juju Vince Bros Crew, hein, vous pouvez le prendre. De toute façon, même maintenant, je l'ai sur PC. Il y aura des parties sur PC. Et voilà. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Allez, dès que tu sois le mot de la fin. Ben, moi, je vous dis, le mot de la fin, là, tu me prends de cours. Hein. Je ne sais pas quoi dire, à part dire au revoir, peut-être. Oui. Voilà, on va finir. Allez, au revoir. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt.